Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Donc nous voilà pour une petite vidéo sur la présentation des jeux Gideon et Liliana. Pauliana, quelle famille? Pauliana, Donc le mien est blanc. Blanc, je sais pas quoi. Blanc tout court, je pense. Blanc tout court, ouais, je pense. Ouais. Moi, le mien, il doit être noir, mono-noir. Noir tout court? Ouais, bah, tu vois, on va les ouvrir. Donc toujours pareil, là, ce qu'on va faire, on va faire une première vidéo, c'est qu'on va combattre l'un contre l'autre. Mm-hmm. On va peut-être pas faire 20 points de vie. Je sais pas, on va voir le temps qu'il y aura. Voilà. Je pense que 20, ouais, ça fera peut-être un peu de plus. La dernière fois, à 20, on était fait 2. Donc peut-être 10 points de vie, comme ça vous verrez juste un peu les, vraiment le truc rapide qu'il y a. Et après, ben, on vous présentera dans les prochaines vidéos les jeux en vitesse et les cartes qu'il y a dedans. Voir un peu dedans, si jamais ça... Il y a des cartes spéciales et puis après, il y a d'autres cartes. Toutes les cartes qui sont dedans sont jouables en type 2. Et après, en faisant voir les cartes, on dira si jamais c'est bien en type 2 ou pas, si jamais si on a des commentaires à faire, je pense. Ouais, ouais. Et faire une petite note après, vraiment avec le recul, en faisant une partie l'un contre l'autre, et voir si jamais... ça sert ou pas d'avoir acheté pour le construire ou pour faire juste un deck fun, on va dire, casual comme ils appellent. Donc eh bien, on est parti, donc du coup on va mettre la caméra vue du haut et on est parti. Donc moi je suis ici. Et moi en face. Voilà, on vient juste de déballer, donc dedans il y a la petite boîte comme vous pouvez voir. Il y a deux boosters, qu'on va pas ouvrir. Hein. Non, on n'a pas besoin. Théoriquement c'est pour compléter les jeux, mais comme on veut vraiment voir si la base du jeu est pas mal, voilà, il y a le jeu, donc du coup on disait une seule couleur, Non, pour le coup, ouais, il y en a deux dans les deux. Donc toi t'es rouge-noir, non, c'est vert-noir et toi t'es blanc-rouge à part. Moi je suis blanc-rouge, bon, déjà. Donc, peut-être un petit peu plus, il y a le petit arpenteur qui est bien protégé dans son sac. Je le remets dans la boîte. Il y a ça, moi je trouve ça sympa pour ranger mes cartes. Ouais, si t'as que ça, pour le coup, le re-ranger après, c'est pas bête. Je mets mes jeux dedans directement. Directement pour tes jeux. Bah, après, ce board par contre très bien parce qu'elle est bien solide. Voilà. Tu peux bien stocker tes cartes. Et puis, par rapport à Pokémon, là tu peux mettre des plastiques. Oui, je peux rentrer, effectivement. Je pense. Ouais, je pense. Parce que l'autre est toute petite. Il y avait un petit peu de place. Ouais. Et là c'est pas mal. En plus, une petite boîte sympa. Le petit truc sympa qu'ils auraient pu faire, c'est en plastique. Parce que un petit carton. Plus, le carton, ça va s'abîmer. Ça, bon, c'est on va pas tout demander. Déjà, c'est un truc à 15 euros. Je pense que c'est pas mal. Pour commencer, ça perd. Donc, du coup, on va construire les jeux, puis après, on se retrouve après, je pense. Construire, enfin, juste mélanger. Donc il y a ça dans le paquet. Donc, c'est référence, c'est quoi? C'est juste pour. C'est juste pour rappeler pour les phases, en fait, c'est ça toutes les règles de Magic, les règles basiques de Magic sont comprises là-dedans. Comment se déroule un tour, donc les différentes phases. Ouais, d'accord. C'est le basique, hein. Comment jouer une carte. Lancer un sort. Et. Il manque plein de choses quand même. C'est vraiment le basique, le niveau 0. Mais 0-0, hein, vraiment. C'est juste. Poser des cartes et savoir comment jouer. Ah, tu vois, ils ont quand même mis, tu peux aller voir sur le site internet, machin, magicwizard.com, pour regarder comment on joue. Après, peut-être que c'est pas ça du tout, c'est juste les cartes, je sais pas, j'ai pas été voir. Donc ça, hop, et il y a ceci, à moquette, ou la moquette. Donc ça, c'est mon jeu, je pense. Hein. Il y a c'est le tien, c'est le tien, ouais. Ça, c'est il faut voir la pub de l'autre jeu qui existe. Ça, c'est le duel deck Magic. C'est Magic Duel, c'est sur internet. Voilà. Et ça, c'est le kit de construction. C'est le truc au-dessus, hein, pareil. On fera une petite vidéo, je pense, la prochaine fois. Hein. Et ça, c'est ce qu'il y a dans mon jeu. Donc, toutes les cartes qu'il y a. Et après, ils disent un peu comment renforcer la thématique du jeu. Ouais, c'est ça. Et donc de l'autre côté, on avait l'histoire de Gideon, puisque d'accord, c'est une histoire. Ouais, c'est ça. Il y a des genres de petits romans, des petites nouvelles. C'est ça, de ces petites nouvelles, ils en récupèrent toutes les semaines sur le site de Wizard. Il faut avancer l'histoire au fur et à mesure. Depuis un petit moment, ça devient un peu intéressant. Il y a des gens qui me posent des questions à chaque fois dessus, mais je ne sais pas quoi répondre. On pourrait essayer un jour ou l'autre de faire un petit récapitulatif. On peut essayer, en montrant les cartes qui sont utilisées, puisque les cartes sont réellement utilisées dans l'histoire, où l'histoire utilise des cartes, où les cartes sont faites. Donc du coup, moi je suis là, Romy il est là. Hop, on va couper. Ouais. Donc on part sur 20 points de vie si jamais c'est rapide et si on voit que ça dépasse trop, on va faire 10 quoi. 4, 5, 6, 7. On n'a pas dit ici de commencer, on va voir. Vas-y. 7. Ah ben ça sera toi. Eh ben je vais choisir de commencer. Donc je vais garder, je ne connais pas les cartes. Je vais la garder aussi. Donc c'est que du amoquette à l'une des deux. Hein. Normalement, oui, c'est que du amoquette. Il peut y avoir quelques cartes spéciales, donc le Planeswalker qui est spécial à cette carte-là, ouais. Plus quelques autres cartes qui sont spéciales. Après, il y a des cartes qui sont que dans les starters. Il y a des terrains bicolores, donc ah, oui. Blanc, rouge et toi, qui en fait sont des rééditions qui ont été la première fois dans le Serment des Sentinelles. Et c'est du T2. Ils sont tous T2, il est considéré même comme faisant partie de l'édition amoquette pour le coup.
Ah d'accord. Donc qu'ils rééditent dans les paquets de, dans le coin, ils appellent ça les jeux de Plains Walker. J'ai une question qui est pour toi, on me pose la question. Les decks d'initiation, tu sais, les petits decks de 30 cartes là, qui sont donnés au magasin, dedans il y a des cartes qui sont éditées chaque année. Ouais, qui sont normalement. Ils sont type 2 ou pas? Normalement, elles sont type 2, ouais. Ah, c'est ce que je pensais aussi, mais. Donc, du coup, les mecs, ils veulent un Shivan Dragon, comment il fait quoi? Il est obligé de venir au magasin pour Il n'y en a pas dans le... ailleurs que dans ses boosters. Ah, que dans, dans ses paquets. Sachant que moi, j'en ai pas beaucoup, bon, enfin, il faut guetter les tournois gratuits. Hein. Alors, après, c'est... normalement, c'est toujours c'est des cartes qui ont été rééditées énormément de fois. Dans le monde fois, quand même. C'est pour ça qu'ils ont choisi ces cartes-là. D'accord. Bah, du coup, bah, moi, je vais garder, hein. Donc, du coup, j'ai un nouveau terrain. Ouais. Donc, il arrive à engager celui-là. C'est pas nouveau, en fait, c'est un ancien. Ouais, il est listé dans l'édition Monquette. Bon, par contre, c'est pas terrible. Ils auraient pu mettre un bon terrain. Et ceux-là, ils ont été édités pour la première fois en servant des sentinelles. D'accord. Et je vais dire à toi, je vais. Et un truc dommageable, hein, ah oui, peut-être dans les boosters. Ils auraient pu mettre dans le starter des petits trucs avec les jetons. Surmener, machin. Oui, c'est effectivement, ils l'auraient fait. Alors, il n'y a peut-être pas ces capacités-là. Dans les starters de base ouais. Oui, d'accord. Juste pose un terrain normal et ça sera à toi. Moi, j'ai un double, non, tout à l'heure. Ah oui, c'est en bas, toi, tu es là. Du coup, je vais poser un de land. Et tu disais quoi? Qu'il n'y avait pas de capacité? Eh ben si. Eh ben voilà. Donc, du coup, c'est une 2 d'invoque, 2-2. Je peux surmener elle, et quand elle attaque, elle gagne +1/+1 et acquiert le vol. C'est un petit djinn. Un djinn. Alors, il n'y a pas trop de djinn dans l'édition, il y a pas de vizir. Oula. Juste avant c'était bon, là c'est plus bon. Et là c'est... Ouais. Et alors, c'est le stress de magique. Et voilà. Tout en direct, voilà, je pense que c'est pas mal. Parfait. Petit reflet, mais bon, c'est comme d'habitude. On a l'habitude. Petit reflet. Voilà, je pense que c'est bien. Donc on a dit... ouais, ben bah, voilà, je vous l'ai dit juste avant. C'est ça. De Navox, c'est pas mal, bonne carte. Moi, c'est une bonne carte, oui, c'est une bonne carte de limité. C'est zoom de carte, voilà. Je ne peux pas attaquer, donc à toi. Donc, c'est ce qu'on disait. Moi, je m'attendais à une édition lente et elle est beaucoup plus rapide que ce que je croyais. Alors, en scellé, elle est un petit peu lente. Par contre, en draft, elle est très rapide. Donc, moi, j'ai joué une épreuve. Donc, c'est un truc vraiment typique de. C'est toi l'épreuve. Donc, c'est un truc vraiment typique qui est censé rappeler un petit peu le... L'épreuve d'ambition. L'histoire de magie. Égyptienne. D'accord. Égyptienne, simplement. Donc c'est une épreuve faite par un dieu, en fait. Ah, ok. Et donc, bon, celle-là, pour le coup, elle fait sacrifier une créature à son adversaire quand elle arrive en jeu. Sans blaguer. Ouais. Ah, bah oui, c'est le truc où tu reviens dans ta main quand Et après, quand je joue un cartouche, l'épreuve. Super fort, il me joue des bonnes cartes déjà. Donc, du coup, tu me fais sacrifier une créature. Je te fais sacrifier une créature. Donc, il pose son épreuve, je dois sacrifier une créature quand elle est sur la table. Et ça. Et c'est moi, tu vois. Bon, pour l'instant. Ça a l'air jouable. Hein. J'ai fait mon effort de guerre. Ah hein. Tiens, j'ai célérité, je la porte. J'ai même pas vu. Parce que ça faisait, je voulais la mettre direct. Je vais la lire en même temps que vous. Si je la connais pas. Célérité, 3 d'invoque. Vous pouvez surmener elle au moment où elle attaque. Quand vous faites ainsi, les créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Une créature ciblée, un peu plus. Ah, pardon, c'est une créature ciblée quand elle attaque, tu peux la surmener. Si tu la surmènes, une créature ne peut pas bloquer. Une créature ciblée, tu disais. Oui, une créature ciblée. Donc une seule, mais c'est pas mal. C'est ça. Écoute, t'as pas de créature. Bam 3 je... Wouhou Je passe à 17. Pardon, 17, pas 18. Et c'est à toi. On va espérer un petit peu de réussite. Là, il va mettre un cartouche. J'aimerais bien. On va mettre dans sa main. J'aimerais bien, mais... Et ces cartouches jouées, ou ces cartouches... Quand il arrive sur le champ de bataille. Quand... Ah, mais non, c'est important, parce que si le mec est le contre... Ah, s'il est contré, non, ça marche pas. Il faut qu'il arrive, si en... Serait joué, il faut qu'il arrive en jeu, et quand il arrive en jeu, il y a un effet déclenché de celle-là qui se déclenche, et qui fait qu'elle peut remonter en main. Est-ce que je fais ça? Paf, paf. C'est pas très bien, hein. C'est pas très bien. Non, ce sera à toi. T'as eu peur, hein, mon petit loulou. J'ai un petit problème surtout. Ma mère qui m'appelle, mon petit loulou. Alors, t'as pas de créature là? Non. Je peux pas faire mes anti-bêtes là. C'est gênant. Hein. Oh bah ça c'est nouveau, je connais pas, dis donc. Tu me dis si je me trompe, mais. Il y a des cartes spéciales. Hein. Ouais, mais ça c'est une carte qui n'est 3 pas. 3 d'invoque, 2-2, vol. Mm-hmm. Les stats sont pas mal. Ouais. Dégage pour 2, dégager la créature ciblée. Super bien. Mm-hmm. Après, par contre, n'activez cette capacité que si vous contrôlez un Plains Walker Gideon.
Donc c'est les cartes typiques, c'est les cartes qui ne sont que dans ces decks-là. Ouais, ouais, ouais. Et qui sont aussi légales en type 2. Donc ce qui est pas mal, je sais pas si vous avez bien suivi le truc, c'est que grâce à... Moi j'ai un jeu surmené, là, 3, 2 cartes, j'ai un jeu surmené. Si, dès que j'aurai Gideon, ben, mes surmenés, je pourrais les détaper. C'est ça. Donc refaire surmenage, chaque tour. Est-ce que tu surmènes? Ben non, t'as pas de créature. C'est jamais possible. J'étais en train de me dire, si peut une créature inférieure, mais ça sera après que j'ai surmené, donc c'est aucun intérêt. Ah, il commence à m'embrouiller, ça va pas ça. Donc je suis passé à 14, c'est bon? Yes. Allez. Ah, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Après, il va me virer la table, mais... Ça se passe pas très bien. Ça se passe pas bien du tout, du tout. Bah, moi aussi, j'ai une carte que je connais pas, donc je vais être obligé de la lire. Oui. Ok, ce sera pour plus tard. Ah, pardon, je pensais que t'allais la mettre. Non, j'avais pas la... Bon, ça, tu vas mettre une carte, je pense. Non, je vais en jouer une, je suis obligé, malheureusement. Je préfère ne pas la jouer, mais... Ah oui, tu vas chercher un truc dans ton cimetière, si c'est vous savez bien. Une carte de créature du cimetière. Celle-là est dans l'édition. Encore une Enko. Alors, Fossoyeur, 4 d'invoque. Quand le Fossoyeur arrive sur le champ de bataille, tu peux renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière à votre main. C'est une réédition d'une autre carte, là. C'est une réédition de Fossoyeur. À l'origine, c'était en Odyssée. C'était pas en édition de base. Non, c'était Odyssée. Et, ouais. Et après, c'était réédité dans... C'est une carte qui était beaucoup rééditée. Mais ça se marche, ouais. Alors, est-ce que me fait chier ta créature? Est-ce que tu vas me bloquer? Je pense que je vais poser ça. Ça a l'air bien, ça. Je vais vous faire voir. Ah, il dégagerait sa créature, j'aime pas si bien encore. Épreuve de zèle. 3 blessures à créature ou joueur ciblé. Je peux te faire à toi aussi. Quand il arrive sur le champ de bataille, j'afflige 3 une créature ou un joueur, hein, et après quand je joue un cartouche, je le remets dans ma main. C'est la même chose que ton truc. C'est pareil, c'est une autre épreuve d'un autre dieu. Donc du coup, je vais payer un rouge, 2 incolores. Après, comme je sais pas si j'ai bien joué, tu vois, j'aurais peut-être dû surmener d'abord, et après jouer ça plus tard. Mais bon, c'est fait. Bah, je vais te flinguer ça. Tu l'as eu. Et je vais attaquer. Je suis 9. Donc là, j'essaie d'avoir la vitesse là. Oui, mais ça a marché, hein, malheureusement. Commencer à faire des choses dramatiques dans pas longtemps. Bon, bah, toi. T'as peut-être tué ma créature trop vite, en fait, je pense. J'avais pas trop le choix. Ouais, c'est pas faux. Ouais, tu poses une. Ouais, c'est vrai. Tu gagnais un point partout. Je vais jouer celle-là. Et pour le coup, celle-là ne me dit rien. Dans l'édition, je pense qu'elle est. Oui, celle-là, c'est une carte de. C'est une carte nouvelle. Ouais. Je sais pas comment elle fait qu'ils aient fait des trucs comme ça. Je trouve ça très sympa. C'est fait exprès. Momie en lambeau, créature zombie et chacal. Quand la momie en lambeau meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie. Mais c'est pas si mal, hein, pour un zombie. C'est pas très bien. Bah, pour un zombie, c'est bien. C'est une carte qui. Est-ce que dans l'édition, on la jouerait pas tellement qu'elle est mauvaise? Bon, arrête. Et ça sera pareil, tu vois pas le potentiel des cartes pourries. Non, effectivement. Oh, j'ai une bonne carte, ça. Ça, c'est bien joué, ça, en plus. C'est une bonne carte, tout ça. C'est clair. Ça, c'est une bonne carte. Alors, je passe ça. Tout va bien. Donc, à Vinay, j'ai un jeu surmené. Hein. Je peux surmener lui. Alors, quand il attaque, toujours pareil. Quand vous le faites, il gagne +1/+1/+3 et acquiert lien de vie. Donc, du coup, ça devient une 4/4 lien de vie. Un coup sur deux. Je viens de voir la combo. Bon, je vais attaquer, je vais dire, je vais surmener. Pas bloqué. Donc, du coup, je vais faire un surmenage comme ça pour dire. Oui, pas de problème. Voilà. C'est pas les 1 dégâts, hein, c'est juste pour dire surmener. Et à toi. Allez, si je veux avoir une chance de tenir un tour de plus, il faut un terrain. Alors là, déjà, c'est bon. Si tu peux rebloquer lui. Ouais, c'est pas trop mal. Et par contre, t'es sorti que du noir, c'est marrant. Hein. Ouais. C'est justement le problème, en fait, qui fait que je moi, de suite, partie, j'ai eu... Tu vas dire, j'ai eu que ça en plus. Ouais, c'est ça, après, t'as eu le... Donc, je vais jouer un cartouche. Aïe, aïe, ça y est, c'est parti. Alors, donc, quand je joue lui, j'ai cet effet de lui qui dit que je peux le remonter dans ma main. Je vais le remonter dans ma main. Il va me gérer la table, là. Quand lui arrive en jeu, il fait que je peux mettre un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. Je vais le mettre sur lui. Ouais. Et donc... Alors, on va le faire voir quand même, là, ce qu'il fait, là. Il pose ceci.
Super carte, j'aime bien moi, en tout cas scellé, je trouve ça super fort. Et grâce à ça, il renvoie son celui-ci dans la main. Il le met sur sa créature, celle-là. Qui va devenir 2-3 liens de vie. Voilà. Et il me tue. Et je vais tuer. Celle-là qui est 1-1. Ouais. Je sais pas s'il est 3-1, pardon. C'est ce qu'on appelle le card advantage pour le coup. Ça fait des choses bien. Il invente des trucs, hein, il a du pif et tout. Alors, ça c'est en main. Ça c'est là, ça c'est là. Donc, ça, du coup, c'est ça c'est mort. Hop. 2, 3, 4, hop, 5. Et je vais te refaire sacrifier une créature quand il arrive en jeu. Alors. Ma 2-2, tu peux pas la gérer. Donc, du coup, je vais sacrifier ma 3-2. Donc, pareil, il repose celui-là parce qu'il lui reste assez de mana. En plus, il a 5 mana, il m'a géré quand même 2 créatures ce coup-là. Et il repose celle-ci, il va rejouer un cartouche et puis celui-là, un 12. Et alors, ce qui est pas mal là, c'est que tu as lien de vie maintenant. J'ai lien de vie. Ouais. Et vu que tu as sacrifié celle-là, tu as que 2 cartes en main, donc il va y avoir un anti-bête qui traîne. Donc, tant pis, hein. Je vais proposer une phase d'attaque. Allez. Avec ça. Alors, j'ai bien l'anti-bête en main, mais il coûte trop cher. Donc, du coup, je perds 2. Et je gagne 2. Je repasse à 6. On survit comme on peut. C'est ça, c'est bien. Hein ouais, c'est... bonne phase de jeu, bravo. Hein. Si j'avais pas de terrain, c'était pas pareil. Alors, est-ce que je te tue ta créature? Je pense que ça le fait quand même. Hein. Parce que devient embêtante ta créature à ton ennemi. Je vais faire ça. Ok, tu perds 2 points de vie. Alors. Qu'est-ce que ça fait ça? J'inflige 4 blessures à une créature ciblée. Donc c'est bon. Et pourquoi je perds 2 points de vie? Quand lui meurt. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà oublié les cartes que je connais pas. Et elle, donc je tue elle, et quand elle meurt, je perds 2 points de vie. Alors comme il n'y a rien de marqué, d'ailleurs, quand c'est marqué comme ça, c'est un effet obligatoire. Donc un effet obligatoire, normalement, même l'adversaire doit le rappeler. C'est ça. Et pas comme moi, quand vous êtes engoulé. Hein. Et puis je les ai attaqués à 2. Je le repasse à 4. Vas-y. Allez, on continue à espérer un autre terrain. C'est pas trop mal. Arrête de dire ça, tu me fais peur. Bah, je vais peut-être pouvoir revenir dans la partie, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Bah, je joue une autre carte qui n'était pas dans les... Ah! Qui est pas dans les... C'est une aura en plus, qui n'était pas dans les... D'accord. Rituel, influence de Liliana. Ah oui, c'est le truc pour aller chercher, non? Mettez un marqueur -1/-1 sur chaque créature que vous contrôlez. Que vous ne contrôlez pas. Que vous ne contrôlez pas, donc du coup, tu me fais un marqueur. Okay. Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou cimetière une carte appelée Liliana, prospecteur de la mort, donc que la carte celle-là, pas celle des boosters, hein. La révéler et la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. D'accord. Je vais chercher. Donc c'est pas mal. Du coup, je mets un marqueur -1/-1. T'as un marqueur -1/-1. Du coup, j'ai plus que 1-1. Je suis déçu, il n'y en a qu'une seule dans le jeu. De ça? Une seule. Liliana? Ah, bah oui, bah, ouais. Bien sûr. La carte du phare. Hein. Tu vas dire, ils auraient pu mettre une en brillante et une en commune. Ouais, bon, normal. On pouvait espérer mettre deux Planeswalker. Tu vas peut-être chercher ta Liliana? Ouais. Enfin, non, j'ai été chercher, j'ai rien trouvé. C'est vrai? Oui. Tu l'as pas dedans, quoi? Bah, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans, déjà dans sa main, d'accord. Et vas-y. Ok, ok, ok. C'est pour ça qu'il disait qu'il n'y en avait qu'une. Je viens de comprendre. Ça ne me dit rien non plus. C'est mignon. Alors, pour 3. Alors, c'était la combo que je disais juste avant. Là. Et je viens de comprendre la combo de cette carte. Ah ben c'est... Donc, celle-ci, je peux surmener, aller chercher un truc à 2 d'invoque et le mettre dans ma main. C'est ça? Ouais. Surmener champ de bataille depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille. Et regardez ce qu'il y a à 2 d'invoque dans mon cimetière. C'est fort, hein. J'avais pas vu moi ce combo. J'ai dit, mais pourquoi ils ont mis ça? Et je vais poser ça aussi pour 3. Ça va être compliqué. Un chat qu'on connaissait pas. Ça me dit rien. Nouvelle carte de chat, regarde. Bah, c'est pas grave. Pour être sûr, tu veux savoir c'est si le numéro que t'as est supérieur au numéro qui a. Ah, bah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est que dans ces. C'est bon, bah, 273 du coup. Ouais, merci, je suis tout bête. Bah, je pense que j'ai perdu quoi. Alors, à chaque fois que le chat attaque, il gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et c'est un chat sympa. Donc, tu voulais faire un petit jeu chat. Je vais attaquer avec ma 1-1. Je passe à 3, mais malheureusement, comme t'as posé 2 bêtes, hein, j'ai perdu. À toi. Donc, tu vas nous refaire le même truc. Bah, non, là, il me faut un terrain. Quoi qu'il arrive, il me faut au moins un terrain. Ah, je pourrais peut-être faire ça. Un terrain. Vert, de préférence. Bon,
J'aurais bien terrain vert, je pense que j'ai gagné la partie. Il dit ça, mais. C'est vrai que j'ai perdu quoi qu'il arrive. Liliana, mais si je la pose, ne sauve pas. Même si je la pose, ne sauve pas. Je suis mort derrière. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que je peux tuer ça, mais je perds ça, il manque un terrain. Ça, par contre, tu pouvais. Et ça, par contre, je pouvais le mettre sur une de tes bêtes, faire combattre deux de tes bêtes, et remonter ça en main et le rejouer pour te tuer la dernière bête. C'est pour ça qu'avec un terrain vert. Alors, ça, ça fait quoi? Enchantement, une créature que vous contrôlez. Ah, ça marche pas. Donc ça marche pas. Ça marche parce que sinon j'étais en train de dire c'est super fort, un truc que j'avais pas vu. Ouais, non, si je l'avais pas vu, c'était que vous contrôlez. Mais pour le coup, c'est. Donc non, ça marchait pas. Bon. Non. C'est dommage, sinon ça aurait été très fort. Ouais. Déjà que celui-là est clairement le meilleur des cartouches. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Surtout en CD. Ouais. Eh ben, dis donc, 20 minutes. Ouais, comme quoi, 20 points de vie, c'était assez. Hein. Ouais, tu vois. J'aurais même dû commencer avec 30, 30. De chance. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ton petit jeu? On n'a pas fait grand-chose, hein. Faudrait pas te refaire une partie, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai fait un petit colorless. Toi, par contre, t'es sorti à peu près comme il faut. T'es assez Mais moi, le land que t'as dit, super bien. Ah, et en plus, je suis super content pour le chat. Un nouveau chat. Un nouveau chat, quoi. Je voulais me faire un jeu chat, mais tout le monde veut faire les mêmes cartes dedans. Bah voilà, bah, du coup, il n'y a que ceux qui ont ce jeu-là qui peuvent avoir celui-là. Et du coup, ouais, je vais peut-être me prendre ça, moi, pour faire mon jeu chat. Là, je suis parti sur un jeu insecte, hein, pour les petites nouvelles. Je suis insecte. Alors, j'ai eu un combo insecte là, j'ai fait ça dans un draft, j'ai dit j'ai un insecte avec des cafards partout. Ça c'est pas mal, une bonne carte. C'est une très bonne carte. Mais ça c'est une très bonne carte même pour ça, le construit. Mais ça aussi c'est une carte que tout le monde demande. Oui, pour le construit. C'est une carte d'avenir, ça. Oui, ça oui, ça y a pas de problème. Elle est que un en vie, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Bon après le cartouche est pas terrible, le terrain est vraiment mieux, c'est clair. Hein. Bah, oui, c'était bien parce que j'avais ça, mais. Ah ouais, vraiment. Et toi, t'avais la combo est pas si mal là, en scellé. Ça pour aller. Ah oui, ouais, c'est cher. C'est fait des marques à moins un. Ouais, mais là par exemple, pour 6, j'ai payé 6 mana pour faire perdre 1 de force à une créature sans rien tuer. Ça serait une carte qui ferait ça. C'est comme... ça. C'est, ça ferait pas c'est le problème, je trouve. Les invoques des arpenteurs sont chers. Et ce qui va les chercher, ils les ont mis chers. Mais c'est fait exprès en fait pour que ces cartes-là ne soient pas jouées en deux. Non, mais en plus jouer en deux, c'est-à-dire que un tour tu puisses jouer celui-là plus l'arpenteur. Mais, en plus de ça, ils veulent que ce soit que le tempo soit un peu ralenti. Enfin, en plus de ça, ils veulent pas forcer les joueurs, on va dire plutôt compétitifs et tout ça, à devoir acheter ces paquets-là. Mmh. C'est un engagement qu'ils ont plus ou moins pris, justement pour pas qu'ils soient forcés d'acheter ça pour qu'ils récupèrent les cartes. Ah ouais, tu penses. C'est fait exprès. Ils ont dit de base que les Planeswalkers qui auraient dans ces paquets-là seraient moins forts et normalement pas jouables. Il y a une carte par exemple dans le paquet pas d'avant. Ça dépend quel format. Mais... Il y a une carte dans le paquet d'avant par exemple, dans celui de Kaladesh. Il y a une carte que tous les joueurs pro cherchent parce que c'est une des rares cartes qui colle 4 dégâts pour 4 mana. Rouge, et qui est très bien pour lutter contre le Gideon qui embête tout le monde en standard. D'accord. Et ben c'est quasiment introuvable, cette carte, c'est une commune qui vaut très cher, puisqu'elle est introuvable et il n'y en a pas sur Internet. C'est dans lequel, celui-là ? C'est dans les préconstruits, dans les Planeswalker deck de Kaladesh, dans celui de Chandra. Ah oui, c'est pour ça que je n'en ai plus. Voilà. Ah, je comprends. Exactement, c'est ça. Ben, on doit en savoir, tiens, en plus. Donc, j'espère qu'on va avoir un rassort. Enfin, moi, qu'est-ce qu'on fait, à ton avis ? Est-ce qu'on refait une petite partie ? Ça te dit ou quoi ? Moi, ça me dit, comme tu veux. Allez, on va refaire une petite partie. Ouais, donc, du coup, on va s'arrêter là, je pense, pour la première vidéo. Et puis, on se retrouve à la suite. Allez, j'espère que ça vous a plu. Une belle victoire. Yes. Et par contre, si jamais tu gagnes, on verra. Oui, allez, je vous fais un gros bisou. À la prochaine.